Ouais. Oh, le changement d'ambiance, bien sûr. J'espère que tout le monde va bien. Petite fin de Until Dawn aujourd'hui. Normalement. Enfin, normalement. Je pense qu'il nous reste 2-3 heures. Et si on a le temps, on commencera The Quarry, la carrière. Pour résumer, nous sommes à Bess et Anna mortes, comme prévu. Jessica morte. Pas comme prévu. Et bah du coup les autres sont encore en vie pour le moment. Après bon, il y en a qui sont dans des situations un petit peu compliquées. Matt, on sait toujours pas où il est, ce con. Et j'ai perdu le dogo. J'ai perdu le dogo. J'ai perdu le dogo, les brothers. Allez, c'est parti, let's go. Je sais même plus où est-ce qu'on est. Visiblement, on est avec le psychologue. Ah bah non. Ah oui, on est là, d'accord, ouais, effectivement. On doit trouver Mike. Allez. J'ai fait 36 bons trucs pour le dogo, mais j'ai fait un mauvais truc et il est mort. Je commence Enjoy. à boiter un peu là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Bah non, frère, on va pas commencer à se split. Non, Chris, on t'abandonne pas. On reste tous ensemble. Mike attendra un peu. On va commencer à se split, mon gars. Let's go. Salut Evelie. Ça justement, depuis le début du jeu, on le dit, ça casse les couilles qui se split à chaque fois là, comme dans les films d'horreur, c'est chiant. Pour une fois qu'on peut rester ensemble, on va pas se... Voilà quoi. Allez, let's go. Je modifie le titre. Effectivement, je suis pas forcément arrêté sur le meilleur angle de caméra, hein, my bad. On va essayer de les faire tenir en vie. Merci que j'ai en bas pour le 14e mois. Je voulais te dire que ton deck était une masterclass, bah merci à toi. Comme d'hab, et je vous souhaite à tous bonne chance et bonne souffrance pour le DLC d'Elden Ring. C'est ce soir les gars, ouais. Bon courage à tous. Espérons qu'on kiffe. Après je pense qu'on va kiffer. From, encore une fois, c'est les développeurs les plus constants, donc... Oh putain. Un totem marron? Ou rouge? Marron, je dirais. Ah ouais. Ah non, totem danger. Donc ça va arriver quoi qu'il arrive. On peut rien faire. Ce soir à 18h ou à minuit, car sur Steam il y a écrit dans 2h la release, je comprends pas. Bah moi, de ce que je comprends, de ce que j'ai compris, c'est à minuit. Vu que ça sort vendredi, en fait, le DLC d'Elden Ring. Donc logiquement, c'est ce soir minuit. Moi, c'est ce que j'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Josh qui a l'air un petit peu énervé. Ça m'a l'air d'être Josh. C'est vrai que Josh, on l'a perdu. Josh, il me fait un petit peu de la peine, hein. On sent que le frérot, il est malade et il a perdu ses deux sœurs et ça a aggravé sa maladie. Après, je vais pas oublier que il nous a bien foutu dans la merde, ce malade. Ah oui, puis d'ailleurs, je vous dis que j'aime bien Ashley. Moi, je vous cache pas que j'ai regardé quelques choix. Qu'est-ce qui serait passé si j'avais pas fait tel ou tel truc? Elle a un petit peu baissé dans mon estime quand j'ai vu que si Chris lui tire dessus avec l'arme à blanc, quand il se fait courser par le Wendigo dehors, bah en fait, Ashley, elle le laisse crever. Elle lui ouvre pas la porte. Donc c'était vénère quand même. Mais comme quoi c'est cool parce que vraiment, des personnages que t'aimes bien peuvent devenir des vrais fils de chien selon tes choix quoi. Alors Chris, on peut comprendre, voilà, au lieu de se tuer lui, il voulait tuer la meuf en face de lui. Sauf que elle, Ashley, dans le cas que j'ai vu, c'est soit elle laissait en vie Chris, soit elle le butait. Sa vie à elle n'était pas menacée, du coup elle l'a laissé crever. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va où? On va aller en bas, hein, malheureusement, on est obligé, hein. Bah ouais, on est obligé comme des cons. Ok, bon.
Et du coup, là, t'as vraiment la sensation, et c'est ça qui est cool, de faire des choix qui ont un réel impact sur leur caractère et leur destin, bien sûr. Oui, descendons dans les mines, je suppose. C'est une bonne idée, allons-y, let's go. Beaucoup d'autres choix, hein. Bah non, dans ma run, Ashley, j'aimerais bien la garder en vie. Oh. Ok, ça, c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment. Alors, qui s'y colle? Après toi. Quel plaisir d'avoir vu le dernier tech, bah merci à toi. Quel déplaisir de voir qu'il est sorti à 15h49 au lieu de 15h30. Non, il est sorti après 16h30, le tech d'hier. Ben, j'espère bien, où tu veux qu'il aille. Il n'est pas sorti avant 16h. Chris, je sais que t'as mal, mais on doit bouger, ok? J'essaie, Ash. Ça sent mauvais pour Chris quand même. Ce serait chiant de le voir crever après la comment dire, la course-poursuite avec les Wendigo. Quelle bonne idée, allons dans les mines. Bah, de toute façon, ça mène soit aux mines, soit au sanatorium du coup. Il vaudrait mieux qu'on ferme, non? Bah oui, si quelque chose nous suivait. Oui, bon, ferme-la, mais là, on doit avancer. On se retrouve plus tard, d'accord? Ouais. C'est pas bon ça. L'atout, pendant les moments où va pas falloir bouger, c'est pas bon du tout, je vous le dis. Ça va être comique. Bonjour, merci pour ce somptueux texte sur GTA, c'était trop bien. Il y a du DLC d'Elden Ring demain, même si j'ai pas encore fini le jeu. Ah! Bah merci à toi, Elou, et. Ah! Il faut tuer Mog, hein, n'oubliez pas. Alors, de ce que j'ai compris, la manette sur le bureau, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'apparemment, les vibrations peuvent vraiment faire décaler ta manette. Putain, mais ils m'ont laissé tout seul, ces gros cons. Putain, mais on avait dit qu'on devait pas se split. Oh, les gros cons. Bande de gros débiles. Les idiots du village. Oui. Qui est là? Y a quelqu'un? Jessica? C'est toi? Non, Jessica, elle est morte. Ah, ça m'intrigue, j'ai envie de... Ouais, mais ça sent tellement la merde. Jessica, elle est morte, hein. Et on sait que les Wendigo, ils savent imiter les voix. Ça pue la merde. Ouais, faut vite que je rejoigne le groupe. Ça pue la merde. Bon, je te dis, ça pue la merde. Le dernier tech est un de mes préférés depuis lors. Merci de vous partager votre talent pour votre humour si subtil. Merci, Rogue. Pour moi, ça sent la merde, là, à gauche, hein. Bon, je suis quand même curieux de voir ce qu'il y avait, mais Jessica, elle est morte, hein. Donc, faut pas se foutre de ma gueule. Ah bon sang, je suis si heureuse. Mais vous étiez où, bande de cons? Ça va aller. Regarde. Juste là. Waouh, super. L'échelle est foutue, on n'arrivera jamais là-haut. Non, 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 je crois que je peux. J'ai mes chances. Ah, ok. C'est comme... Je crois qu'on arrive au... On arrive... Au totem conseil. Ouais, celui-là, là. Ouais, ok, donc c'est Sam, ok. Ça me disait rien parce qu'elle avait pas les mêmes vêtements au moment où on l'a eu. Mais là, c'est bien Sam qui monte, du coup. On est bien dans cette zone, je pense. Un mur d'escalade. Je vais continuer. Vous devriez rentrer au chalet. Je vais chercher Mike. Bonne chance. Ah, d'accord, ça s'arrête là. On peut voir Matt ou... On y est peut-être là, c'est peut-être Matt. Il y a des bruits chelous, mon pote.
Ce n'est pas une mine ici, c'est un tombeau, bien sûr. Ah non, c'est pas Matt, c'est Josh. D'accord, donc Josh s'est fait emmener quand ils l'ont ligoté. Attention, QTE, brother. J'ai vu une planche en bois, comme dans le conseil. Je fais... Oh putain! Allez, ma fille, tu peux le faire. Putain, c'est chaud de se dire qu'elle peut éventuellement crever là. Si je rate ne serait-ce qu'un QTE. Je lâche la manette deux secondes, voilà, je me gratte la tête. Je t'ai mis une branlée. Que dalle? Aucun item? Ok. Alors, soit je vais à gauche, soit je vais tout droit. Oh là là là. Je vais toujours aller le plus haut possible. Hein. Bon, le conseil, il m'a dit d'aller en haut, vers la roue. Je vais. Oh merde! C'était quoi ça? C'est rien, c'est Pozo qui s'énerve sur LOL sur son clavier. C'est fine. What? Mais je pensais que je pourrais retourner là-bas. Oh merde, je peux pas retourner là-bas, fais chier. T'as rien raté pour le... T'as rien raté pour le moment, t'arrives même au bon moment, visiblement. Ça sent la merde, Jamie! Moi, je voulais aller tout droit, en fait. Je pensais que je pourrais revenir en arrière, je suis deg. Putain, j'aurais dû continuer tout droit, mais qu'il est con. Pas revenir en arrière là. Aïe 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 aïe. J'ai réussi à prendre le bout de fer, visiblement. Tu veux dire quoi par bien? Bah, vivante, quoi. Ouais, vivante, c'est bien. Ouais. Donc ça, c'est un totem qu'on avait vu, hein, cet extrait où Mike qui se fait bousiller la gueule par un Wendigo. Ouais, je suis au courant. Ouais. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Oui, quelle bonne idée. Allons dans le nid des Wendigo. Quelle bonne idée. Précédemment, dans Until Dawn. Ah, on va sûrement voir Matt du coup s'il nous montre ça. Je sais pas où il est ce con, il est tout seul dans son coin depuis un moment. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Il est où, Matt? Probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge plus. Là, on a perdu le... Je vais chercher cette seul mec qui pouvait nous protéger. Je trouve sa mort complètement conne. Le mec depuis des années il survit dans ces montagnes. Et là il meurt en un coup. Waouh. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Ce mec, c'est une méga hallucination de Josh. Hein. Oh,
me demande si ces sessions vous sont... Je suis prêt pour le DLC de Elden Ring, oui, évidemment. Moi, je me suis préparé. Hein. Ça fait un mois que j'ai refini le jeu, que j'ai fait tout comme il fallait. Vivement. Compliqué. Ça va et toi, Alice? Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant... Fait un peu de la peine hein, quand même, Josh. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Bon, j'ai l'impression d'être passé à côté de plein d'objets, mais bon. Respirez, Joshua. C'est pas grave. Respirez. Bon, on a vu que Josh commençait à se transformer dans un totem. Ah ouais, bizarre l'ambiance. Ces deux sœurs mortes qui chantent Frère Jacques. Ding dong dong. Oh l'ambiance de merde. Laissez-moi. Laissez-moi tranquille. Non, vous êtes morte. Désolé. Vous êtes morte. Non. Ferme-la. Non, vous êtes morte. C'est pas vrai. Tu nous as manipulés. Oh l'ambiance de merde. Tu chantes bien, hein, merci, merci. Ah, on va jouer Josh, ça y est, c'est la première fois qu'on joue Josh. Incroyable. Alors, bon, visiblement, c'est un... Wendigo qui m'a emmené, mais... On était toutes seules ici. Non, pas encore. C'est un Wendigo qui m'a emmené ici. Michel. Arrêtez de me couper la parole, là, merde. Non. Avec ta famille. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? C'est vraiment Pourquoi un bon taf, hein, la VF. Hein. Je voulais pas que vous mouriez. Ouais, je disais, il a pas été décapité, donc à mon avis, moi je le redis, hein, à mon avis, Anna, c'est devenu un Wendigo et elle a quelques souvenirs de Josh et elle le tue pas du coup. Fuck. Péter un câble, Josh, là. Trop de League of Legends, ça. Hein. Josh. Non, je sais pas. Trop de LOL. C'est vraiment ça que tu veux. Non. Pourquoi vous faites ça? Laissez-moi tranquille. Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on... Parce que je dormais sur le bar, j'avais trop bu. C'est une excuse suffisante? What the fuck? Bizarre l'ambiance de la soirée, là. C'est bizarre l'orgie. Un truc un peu bizarre. Quoi? Le Wendigo. Il avait une cicatrice. Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en 50 et quelques. Ce qui veut dire que ce truc doit... Je suis le seul à avoir entendu un bruit de Bloodborne. Ça m'étonnerait pas. J'ai pas fait Bloodborne, mais ça m'étonnerait pas. Ils ont fait le ménage.
tué pas mal de gens. Il ? Tu veux dire qu'il y en a d'autres ? Ah oui. Mais combien ? Beaucoup trop. Bon, j'aurais pas joué Josh longtemps. Hein. Je pense qu'on n'est pas loin de son antre. Comment tu le sais ? J'en sais rien. Je me sens vraiment mal tout à coup. Pareil. Le jeu t'incite à aller par là-bas, mais ça se trouve, il y a un totem ou une connerie du genre ici, non ? Allez, récompense mon exploration, le jeu. Même pas ? T'es un bâtard. Tu t'es même pas dit qu'il y aurait des cons comme moi qui iraient derrière ? Oh. Bon, là, on est avec les deux personnages principaux, potentiellement. Enfin, c'est comme ça que je le vois, du coup. Sinon, c'est pour te dire que je regrette mes paroles sur Elden Ring et que c'est MOL top 3. Que c'est au moins top 3, tu veux dire ? Ah, t'avais pas aimé Elden Ring, Anoun ? Je m'en rappelle plus. J'ai vraiment pas envie d'aller là-dedans. Y'a pas d'autre chemin. Ah, c'est ton top 3, ok, d'accord. C'est ton troisième Souls From Software préféré. Ok. Mike, c'est quand même pas ce que je crois. Merde, on dirait une tombe. Elle l'a becté, elle l'a becté. Elle s'est transformée en Wendigo. Oh, oh merde, Mike, c'est Abbess. C'est sa montre. Quoi ? Mais c'est quoi ces flics en carton ? Ils savent qu'il y a des mines ? Oh, regarde, il y avait une croix là. Alors c'est... Ils ont même pas visité les mines. C'est quoi ces flics en carton ? Parce que rappelez-vous, ils ont même pas trouvé le téléphone que Matt a trouvé, le téléphone de Bess. Allez, continuons. Oh, les inspecteurs en carton, quand même. Bon, c'est plus ou moins confirmé, hein. Elle a becté le cadavre de Bess, voilà, GG Enjoy. Merci Céleste Tounet pour le quatrième mois. Oh, trop bien, ça, dans les jeux d'horreur, les films d'horreur, les moments où on va dans la flotte, tout ce qu'on aime. R4, si tu nous regardes. Une maison en feu avec Mike. Donc le chalet, je suppose. Et il y a quelqu'un d'autre en bas à gauche qui se lève. Ça va être Sam. Donc une chance se présentera. D'accord. Ça sent la fin du jeu, là. Le chalet en feu, quand même. C'est bon, viens. T'es sûr ? Je suis encore vivant. Ouais, attention à l'hydrocution, vous avez pas mis de l'eau sur votre nuque, les enfants, attention. Je sens plus mes doigts. Attention, mes petits loups. Je croyais que t'avais atteint le point le plus profond. J'ai pas dit ça, j'ai dit. C'était bon. Genre, y'a pas de requin ou quoi que ce soit ici. Des requins ? Génial. Merci. Ça sent tellement la merde. Oh, ça sent tellement la merde. Ça continue. Ouais. Ouais, mais à gauche, il y avait un autre chemin, du coup. Putain. Il y avait un autre chemin à gauche. Je suis intrigué. Je me dis que je rate des objets, mon gars. Moins de temps on passe dans l'eau, mieux c'est, je pense. Donc on va peut-être se casser d'ici. Je reconnais, hein, c'est la roue du totem. Des requins ici, et puis quoi encore dans la scène ? J'ai la ref. Ah, je peux pas faire demi-tour ! Je peux pas faire demi-tour ! Ah si, je peux. Ok, j'ai eu peur. Tiens, j'ai bien fait, il y a des trucs. Oh merde, c'est l'écriture d'Anna. Ma petite sœur est morte, la chute l'a tuée, j'ai regardé son visage pâlir. Ok, donc comme prévu, Anna était vivante et Bess morte, sans laver call au début du jeu. Je suis toute seule coincée ici avec le corps de Bess, quelqu'un viendra bientôt. Ah, comment te dire ? Les flics, ils ont eu 0 sur 1 dans ce jeu, malheureusement. 0 sur 1, pardon, 0 sur 10.
Je n'ai jamais eu aussi faim, on dirait que mon estomac se tord dans tous les sens. J'ai pris le pull de Bess, j'ai bien plus chaud maintenant, elle veille toujours sur moi. Je suis désolée, Bess, je n'ai pas le choix. C'est la seule façon pour que je puisse survivre maintenant. Si quelqu'un lit ça un jour, je suis désolée, il le fallait, je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi? Merde. Elle l'a bouffé, Jamie. Elle l'a bouffé, c'est ça que ça veut dire. Ah, mes ongles sont tombés et ont repoussé. Je souffle, mais je n'ai plus froid, pas de douleur, je deviens plus forte. Ça, c'est marrant parce que dans son écriture, on voit la façon dont elle écrit, même visuellement hein, sur le carnet, et même à droite, que elle est plus énervée, quoi. Eh ben, oui, elle est plus énervée. Hein. Ça me rappelle une scène dans RE1 Remake. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça où tu voyais l'écriture qui devenait de plus en plus énervée. Et en fait, le zombie qui avait écrit le journal, dans mes souvenirs, il était dans le placard juste derrière. Tout s'explique. Je crois que Anna a sorti Bess. C'était Anna. Non, c'est... Michael. C'est ridicule. Michael, c'est forcément ça. C'est la seule explication possible. Bess est morte en tombant. Et alors? Dans Last of Us, il y avait ça aussi? Ok. Donc Anna a dû l'enterrer. Putain de merde. C'était aussi dans RE1 par remake. Ah ok, c'était aussi dans RE1 par remake, ok. Je l'ai pas fait moi, j'ai fait le remake en fait. C'est pour ça. Je pensais qu'il l'avait rajouté. Mais... Il faut qu'on trouve Josh tout de suite. D'accord, et vous avez vu, le fait de lire le journal a eu un effet papillon. Donc ça nous confirme que Anna est bien devenue un Wendigo. Est-ce que c'est elle qui a emmené Josh et que c'est pour ça qu'elle l'a pas tué? Parce qu'elle a... Enfin... Quand tu dis un Wendigo, tu meurs, mais est-ce qu'il y aurait pas un petit peu de conscience d'Anna dedans encore? En mode, ah c'est mon petit frère, je le reconnais. Peut-être qu'elle va se dire, hey Mike, je me rappelle de toi, j'aimais bien ton petit cul, je vais pas te tuer. Sam, t'es ma meilleure pote, je vais pas te tuer. Ah par contre Ashley, je pense que je vais t'enculer. Et on part du principe que c'est plus Anna, quoi. À mon avis... Oh, la révélation de ouf, choc barre de bébé. Ah putain, non, on dit rien. Bon, j'ai bien fait d'aller là-bas, quand même. Hein. Rien. Rien. On a réussi. Une porte avec écrit danger dessus. Ah bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Ah non, on est obligé d'aller là-bas. Allez, c'est parti mon kiki. Ah bah c'est la tête de... C'est pas vrai. De l'inconnu. C'est de Jess. Ah, et de Jessica. C'est de Jess. Oh shit. Les deux têtes des personnes qui sont mortes! Oh merde. Ah, ça sent, ok. Ça, à ce moment du jeu, tu dois pouvoir voir tous les gens qui sont morts. À mon avis, ici, là, à ce moment-là. Tous les gens que t'as tués. Du coup, il y en a deux. Montrez pas le dogo, s'il vous plaît. Oh, le screamer, attention. Josh. Je t'obéis pas. Hey, Josh. Ne pas me donner corde. Josh. Ne plus me donner corde maintenant. Non, je t'obéis plus maintenant. Ok. Alors la VF fait vraiment un taf de dingue niveau de l'acting, mais en VO ça va être encore plus, plus fou. Ok. Ah, il est encore dans son monde là. Qu'est-ce qu'il a? Il est en plein délire. Josh! Mike. Josh! Eh vieux. Non, me frappe pas, pitié. T'étais parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Josh, Anna est restée ici pendant
Des semaines? Des mois? La déterre épaisse. Sam. Mike. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Encore une fois, il fait un peu de la peine, Josh. Hein. Il a perdu ses deux sœurs, ça... Tu vois ça, là? Ça a l'air d'avoir amplifié sa maladie. Allez. Y'a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Après, je sais pas vraiment si Josh... C'est le trauma de perdre ses sœurs qui l'a mis comme ça ou s'il l'avait déjà avant. Ah, on joue Josh là ? Ah, on joue Josh, ok. T'étais pas obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Ouh là là, il y a un totem. Oh là 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 là, totem de mort, attention. Ah non, ça a l'air d'être un totem blanc. Donc une chance va se présenter. Ah ouais. Ah ouais, le gros bad. Oh, l'ambiance de merde. Super l'ambiance de du week-end entre potes quand même. C'est cool. Ça pourrait être intéressant de faire le remake quand même avec d'autres choix. Même si bon, je me suis spoil certains choix... qu'on a déjà passé, j'étais un peu curieux de voir ce qui se passait quand voilà quand Chris tirait sur Ashley ou autre. J'ai pas été déçu d'ailleurs hein. C'est dark. Non. Non. Et du coup, il y a le corps de Jessica et le corps de l'inconnu. Ah, ça doit être dark quand tu tues tous tes alliés, doivent tous être là. Je voulais pas que vous mouriez. Je sais. Ok. Non, Josh, il est pas mort. Je l'avais call, de toute façon. Comme beaucoup, je pense. Mais c'était plutôt bien foutu quand même. C'était quand même plutôt bien foutu. Ils nous ont mis le doute. Mais puis même, en fait, dans la voix du psychopathe, je reconnaissais la VF de Josh, parce que c'est la VF de Léon Kennedy, et je la reconnaîtrais entre mille. Oula, ça sent sur le screamer, là. Non ? Oula, y'a un truc qui bouge. Recule. Recule, Mike. À droite, mec, à droite. Viens, on va à droite. Y'a un truc qui bouge là, à gauche. Non, tu n'es pas réel. Non, tu n'existes pas. C'est marrant, pendant son cri, on aurait cru entendre la voix aussi d'Anna. Bah je sais pas, Francis, déjà on va faire The Quarry et pourquoi pas les Dark Pictures. Bah après on m'a dit que c'était quand même bien en dessous de Until Dawn, mais on verra. En tout cas c'est marrant à faire en live ce genre de jeu. Bon, revoilà Matt du coup les gars, hein. On se demandait où est-ce qu'il était, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu quand même. Hein. Putain. Oh la vache. Tu dates mec, ça va? Enfin ça va. Le pauvre, il est tout seul dans son coin. Il pense qu'il a perdu sa copine. Ta-da. Ah bah non, il a l'air de bien aller, il s'en bat les couilles. Il a sauté, il a laissé crever sa meuf, il s'en branle. Ok les gars, c'est la fête. L'optimiste. Ah, est-ce que t'es toujours aussi optimiste ou pas, frère? Attention. À gauche ou à droite, là, franchement, je vois pas du tout. C'est écrit quoi? Ok, c'est l'ascenseur, ça. Ah bah, il s'est bloqué de toute façon.
C'est un totem. Qu'est-ce qui a pu provoquer cet éboulement? Ah, ben j'ai recommencé une run où j'ai sauvé Jessica. Et je crois que c'est là qu'elle tombe, en fait. Bon là du coup elle est morte ici dans ma run là que je fais avec vous, donc à mon avis ça va être une phase solo hein. Ouh là, un petit totem conseil, ça fait du bien, on prend. Non, c'était pas un totem conseil, c'est un totem marron. Donc perte éventuelle de Mike, vu la veste. Nice. Ah oui, non, mais le jeu est magnifique. Hein. Bon, après, forcément, c'est plus facile de faire un jeu narratif beau. Mais le jeu reste quand même vraiment très beau. Hein. 2015. Hein. Début de vie de la PS4, quand même. C'est pour ça, bon, un remake de ce jeu, bon. Ok, ouais, pourquoi pas. L'intérêt, ça sera les scènes bonus. De ce que j'ai compris, il va y avoir des nouvelles scènes. Ils en ont montré une où Bess et Anna emmènent Josh sur le canapé. Donc ça peut être intéressant. Merci Argmeta pour le sub. Par contre, cette lanterne bug vraiment. Hein. Des fois, elle est en mouvement. Oh, Matt, ça sent tellement la merde pour toi, mon pote. Mais cours pas. Par où? Non, là il faut pas bouger là. Okay. Sa vision est basée sur le mouvement, n'oublie pas. Bon sang. Ok. Je cours, je crève en fait. Ça c'est Anna ça. Je sais pas. J'ai cru que j'étais mort là. QTE. J'ai les mains crispées sur la manette. Je veux pas que ça me crève. Vas-y. Moi je prends toujours les raccourcis depuis que ça a tué Jessica de pas prendre les raccourcis, donc vas-y, hein. Pas prendre de risques. On va prendre des risques si justement. Bien joué. Irréalisable mais bien joué. Oh putain, attention. Je suis en malade. Bon, on va où? Oh non, mais Anna, mais casse-toi, fous-nous la paix, putain. Laisse-nous tranquille. Faut que je loot. Oh, ça va courir, là. Ça sent le QTE du cul, là. Oh, ça va courir. Ah, regardez. A totem. Un totem marron, je pense. Ou rouge, on sait jamais. Ah ouais, les Wendigo dans le chalet, quoi. Donc c'est quelque chose qui va se passer quoi qu'il arrive. Juste le jeu te prévient que ça va arriver, quoi. D'accord. Bon. Les Wendigo dans le chalet. Super, let's go. Y'a rien de ce côté.
Ça détruit les personnages qui font des 360. Ça ruine l'immersion, mais bon, on est obligé pour voir s'il n'y a pas de... d'item. Je ne peux pas accepter que Aiden Panthier, mon crush de Heroes, meure. Ce n'est pas possible. Monsieur Peter Petrelli m'en voudrait. Change de disque, Anna. Elle crie beaucoup. C'est marrant, mais pendant qu'elle tenait Josh, j'ai cru entendre sa voix pendant le cri. Trop League of Legends de mon côté aussi, je pense. Hein. Ça me réussit pas, ça, vous savez. Ah. Oh non, encore de la flotte. Putain, on en a marre. On en a marre. On en a marre de geler le cul. Ça suffit. Sur le screamer qui va sortir de l'eau. Avance, t'arrêtes pas. Le yes sir qui tombe bien là. Merci Laris pour le quatrième mois. Il me faut ma dose de jusqu'à l'aube. Merci pour ça. Mais de rien. Jusqu'à l'aurore. En vrai, j'allais dire cours, mais non, cours pas, t'as raison. Après, tu marches, donc tu te déplaces quoi qu'il arrive. Je pense qu'elle te voit, hein, donc... Pas de screamer, sérieux ? C'est bizarre. Ça, c'est les meilleurs yes sir, ça, dans les phases comme ça. Allez, ouvrez-moi. Ouvrez, bande de cons. Ah merde, vous êtes là. Laissez-moi entrer. Sam. Merci. Bien pire si on traîne dans le coin. Merci vous le vent pour le sixième mois. Allez. Une pensée pour le Dogo, ouais. J'ai perdu. Je suis triste. On est sûr? Ça va faire du bruit, hein. Il faut écouter le titre du jeu, il faut tenir jusqu'à l'aube. C'est ce que disaient aussi les gardes forestiers d'ailleurs. Il faut tenir jusqu'à l'aube, bande de cons. Ah puis il y a les autres aussi qui sont pas revenus de la mine. Ah donc quelqu'un disait tout à l'heure que si j'avais été à gauche avec Ashley, elle était morte. Donc c'est vraiment une chance sur deux quoi. Heureusement que Jessica est morte et qu'on s'est dit, bon, ça imite les voix. Comme le disait le carnet. À ton avis, quelles sont nos chances de survie? Par contre, ceux qui ont laissé Jessica en vie, ils ont dû avoir le doute, du coup. Cassez-vous, allez, 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 allez. Oh, comment elle l'a poussé, la connasse. Ah
Hein? What? C'était quoi ce plan là? C'est long. Oh. What? What? Est-ce qu'Anna nous protège? Oh le con. Oh le con. Ça me rappelle le totem conseil qu'on a vu où il explosait ce con. Oh le con. C'est ingénieux, hein, mais c'est con. Chris est sorti. What? Shit. On me dit pas que j'ai tué Sam là. C'était soit l'un soit l'autre. Ok, elle sort. C'est long. Ah, je les sors. Ouah, c'était long, hein. Pouh, c'était long, hein. Par contre, j'ai pas capté pourquoi ils se battaient les uns les autres. Est-ce qu'Anna... C'est bizarre qu'on se dise qu'Anna nous protège vu qu'elle essaie de nous buter aussi. Est-ce que c'est en mode « Ouais, t'es sur mon territoire, tu voles mes proies et tout ?» Je pense que c'est ça, hein. Un peu comme les animaux, tu me diras... Ils se battaient pour avoir le droit de manger tout le monde. Bah moi, c'est ce que je me dis, ouais. Tous les garçons ont survécu jusqu'à l'aube. Ah merde, mais du coup, on a perdu Jessica. Fuck! Merde! Non.
Ah ouais, d'accord, bah c'est fini, ok. Bon, on a tué Gollum, les gars, ça y est, let's go! Oui, évidemment, ils attaquent si ça bouge, mais bon... Oui, ils attaquent si ça bouge, effectivement, ouais. Effectivement. Le vieil homme, je sais pas comment. Ça doit être ça, ouais. Après, ce qui me fait douter, c'est que Anna en Wendigo a l'air de se rappeler de Josh, vu qu'elle l'a épargné. Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué ? Quoi ? Non, vous comprenez pas, Mais s'il vous a attaqué ? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. Ouais, je reste jusqu'à la fin, hein. je comptais pas ce qu'il... J'ai entendu Jessica, je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Ouais, à mon avis, on a clairement bien fait de pas aller à gauche. Il l'a braqué sur mon visage. Juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Elle, y'a que ça qui... Attends, elle se souvient de... Ça avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître. Mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. J'étais là, sur place, et j'aurais pu faire quelque chose. J'ai essayé de faire quelque chose. J'étais faible. Bah non mais Matt, après, mais t'es con, t'étais tout seul. C'est complètement les plans. Ils voulaient nous faire du mal. Et j'ai cru que c'était... Ah bah j'ai un peu de la peine pour Josh, hein. Même si ses moves du début étaient... J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à le comprendre. Oui les gars, je compte rester jusqu'à la fin du générique, don't worry, be happy. J'ai cru qu'on était proches. Bon, on a sauvé Matt, Mike, je vais bien. Vous savez, parfois, Ashley et Sam. Seul, je suis vraiment dégoûté par contre pour le logo. Parce que j'ai fait plein de bons choix pour le logo, mais j'en ai fait un qui l'a tué. J'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas, il faut me croire, je savais pas. Ah oui, c'est vrai qu'elle a planté Josh. Savoir quoi ? Et planter qui ? J'ai poignardé le psychopathe, je savais pas que c'était Josh, et en fait c'était lui le psychopathe, sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh avait toutes les idées flingues en bon sang. Où est Matt ? Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'ils ont, fini de l'examiner ? Je suis un peu inquiète parce que, je veux dire... Ouais, enfin n'oublie pas qu'il a sauté au lieu d'essayer de te sauver. Enfin, il m'en a peut-être un peu voulu pendant quelques minutes, mais il sait que je suis très attachée à lui. Il le sait. Il vous l'a dit, ça, non ? Non, il va te quitter, je pense, t'es chiante. J'ai pas été assez rapide. Et s'en est fallu d'un cheveu. Si j'avais pu aller... Bonne chance pour ce query. Franchement, j'ai plus rigolé que j'ai eu peur. Ça va être drôle, je pense. J'aurais pu la sauver. Et je pensais que ça allait être la même chose pour Until Dawn, vous voyez, mais j'ai plutôt bien aimé. Hein. Je trouve le jeu très bon, moi, hein, pour un jeu interactif. Donc c'est ma faute. C'est ma faute, Idia, c'est morte. Oui, je sais, merci de me faire culpabiliser, Mike. Je sais, j'aurais pas dû prendre cette putain de, ce putain de rebord, j'aurais dû sauter. Vous croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines, et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. Ouais, donc on avait raison sur deux points. Anna n'était pas morte. Josh était le psychopathe. Par contre, j'étais à côté de la plaque au niveau d'un point. Je pensais que les deux avaient bien peaufiné leur plan pour tous les tuer les uns après les autres. Non, en fait. Josh n'était même pas au courant en fait que sa sœur était encore en vie en mode Wendigo. Donc, c'était très bien. C'était très bien. Vous exagérez, les Dark Pictures sont pires que The Quarry. On verra bien, hein. Et d'un autre côté, ouais, on dit ça en rigolant, mais je me suis encore auto-spoil certains trucs. Hein. Mais bon. Petite fierté de deviner les trucs comme ça, là. Mais c'est bien, moi j'ai bien aimé, c'était cool. Je suis pas très jeu interactif d'habitude, hein. Alors quand je dis ça, je sous-entends pas que j'aime pas, mais je sous-entends que j'en ai vraiment pas fait beaucoup dans ma vie. J'ai bien aimé Detroit Become Human. Et là, du coup, bah, j'ai bien aimé Until Dawn, donc... C'est bien. The Quarry, tu vas tout deviner en 30 minutes, je le sens. On sait pas, hein, ça se trouve, je vais être... Until Dawn, j'étais pas mal. Mais The Quarry, je vais être totalement à côté de la plaque, ça se trouve. La carrière, n'est-ce pas ? Moi, déjà, je vous le dis comme ça. Le monstre dans The Quarry, je pense,
C'est soit des ours zombies, soit le Bigfoot, soit des conneries de loup-garou. Parce que ça va juste être... comment il s'appelle ? Ça va juste être Dracula. Dracucu. Je vais pas passer le générique au cas où, parce que la dernière fois, je sais plus c'était quel jeu. Ah, c'était BioShock Infinite. J'ai fini BioShock Infinite, j'ai passé le générique, j'ai raté la scène post-générique, en fait. Généralement, il s'arrange quand même pour te montrer la dernière scène, mais faut pas prendre le risque. C'est des écureuils garous, ouais, je pense, dans The Quarry. Non, mais c'était vraiment cool, parce que tu sens vraiment que tes choix ont un véritable impact. Et on m'a dit, on m'a mal vendu le reste des jeux du studio. Apparemment, les choix n'ont pas tant d'impact que ça, enfin, ont moins d'impact que dans Until Dawn. En PM, la VF c'était une tuerie, l'acting était cool, en VO ça va être encore mieux. C'était cool en fait, même il y a un petit lore en fait. Tu te sens récompensé quand tu trouves des indices et les totems, que tu mets tout ça bout à bout et que tu devines des trucs. Comme le fait que Anna est devenue un Wendigo et tout le bordel. L'exploration elle est récompensée quoi, c'est un vrai jeu d'investigation. Donc moi j'ai bien aimé, je trouvais ça très cool. Puis les personnages sont attachants en fait, j'aime bien leur évolution. Mike, je l'aimais pas au début, forcément, bon, c'est l'un des instigateurs de la blague de con du début. Et puis finalement, il évolue, tu vois. Il culpabilise, il devient courageux, il évolue. Tu t'attaches à lui. Donc les personnages sont assez attachants en fait. Même si, bon, moi je le redis, hein, bon. Emily, grosse merde. Et Jessica, un peu moins grosse merde. Mais quand même. Mais c'était sympa le lore là, d'apprendre petit à petit ce qui s'est passé autour des mineurs, du sanatorium. D'ailleurs j'ai vu apparemment qu'il y avait un préquel, Until Dawn, en VR. The Impatient. Mais apparemment c'est du caca. Mais je ne savais pas qu'il y avait un préquel. Oui non mais Emily je l'aime pas, mais oui elle était badass dans les mines, elle a été débrouillarde, y'a rien à dire hein, pour le coup. Monsieur Yoshida. Mais que devient Josh ? Bah, vu comment les viewers ont insisté pour que je reste jusqu'à la fin du générique, je pense qu'on va voir, et je pense qu'on va voir ce qu'on a vu dans le totem. Je pense que Josh, il va mal tourner. Ouais, parce que Anna l'a épargné, en fait. Je pense qu'il y avait encore un peu de la conscience de Anna. Je maintiens que j'ai cru entendre la voix de Anna quand elle criait, hein, quand elle tenait Josh dans l'eau. Après, encore une fois, peut-être trop League of Legends. Je n'ai pas fait Heavy Rain, Courage, mais c'est prévu. Je sais que c'est un... comment ça s'appelle ? Un Quantic Dream. Moi, j'aimerais faire Fahrenheit. Heavy Rain, c'est celui qui m'a eu le plus, Heavy Rain. C'est la première fois où j'avais entendu parler de jeux interactifs, Heavy Rain. Et Beyond Two Souls. Donc ces trois-là, c'est prévu. Ah ouais, Virain, c'est chiant. Ah. Bon, on verra bien. Hein. Moi, j'ai cru comprendre qu'il était... c'était un jeu important parmi les jeux interactifs, bien sûr. Le truc qui m'attire pas du tout dans les jeux interactifs, c'est la série ultra connue, là... Ah putain, j'ai vraiment... je me rappelle pas. Non, là, pas les Telltales. Une autre, là, qui est connue... ouais, Life is Strange, c'est ça, ouais. Ça m'attire pas du tout, par contre. C'est ça, Life is Strange, ouais. Après, pourquoi pas, hein. Faut être curieux dans la vie. Heavy Rain, c'est lent, faut pas s'attendre à un rythme de fou, mais ça reste sympa. Ouais, de toute façon, ce qu'on attend, c'est l'histoire. Pour le coup, Until Dawn, l'histoire était cool. En fait, ce qui est bien dans Until Dawn, c'est que clairement, les personnages, c'est des gros stéréotypes, des grosses caricatures. Si t'as vu les screams, bon, voilà, tu comprends que Sam, c'est Sidney Prescott. Voilà, t'arrives à peu près à voir le mec populaire que tout le monde kiffe, Lapin Beige, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est que malgré ça, bah, les personnages, ils évoluent plutôt bien et tu t'attaches à eux.
Et ça, c'est plutôt cool. Tu sens que les devs ont voulu faire un truc nanar, respecter les conneries qui nous insupportent dans les films d'horreur, c'est-à-dire, mais pourquoi vous vous séparez, bande de cons ? Ils ont voulu respecter ça, tu vois, sans en faire trop, j'ai l'impression. Et vous êtes beaucoup à me dire que dans The Quarry, le problème, c'est qu'apparemment, ils en font trop. Donc, on va voir. Mais bon. Mais moi, j'étais chaud pour tuer Emily, pour embrasser le même, pour qu'on rigole un bon coup. Mais je me suis dit, le but du jeu, c'est quand même d'essayer de deviner ce qu'il faut faire pour que la plupart des gens vivent, quoi. Et du coup, de ce que j'ai compris, bah, on a tué une personne, au final, pour notre première run. Enfin, malheureusement, le Dogo, voilà, je reste très frustré pour le Dogo. Si un jour on fait le remake, je ferai tout pour le sauver, le Dogo. Mais déjà, là, je fais une deuxième run, là, dans mon coin. Je suis préparé, là. Je suis préparé, je vais tout faire pour sauver le Dogo. Mais c'est cette putain de porte que j'ai pas barricadée, là. C'est pour ça qu'à la fin, quand Sam avait le choix entre courir et barricader la porte, j'ai barricadé la porte parce que je me suis dit, la mort du Dogo m'a appris. Dans The Quarry, il y a un acteur, on dirait qu'il est mort à l'intérieur. Ça va être drôle. Quand j'avais vu The Quarry en stream, j'ai cru que c'était une sorte de petite parodie faite à l'arrache. Puis j'ai vu qu'il était à 60 balles sur Steam. C'est aussi pour ça que j'ai attendu avant de le faire. Moi, je l'ai eu à 18 balles. Mais ouais. Mais du coup, Josh, on peut pas... enfin, je suppose que là, en fait, il est fini, en fait, là. Mais on peut pas le sauver, Josh, du coup. Quoi qu'il arrive. Spoiler, à la fin, le Dogo, il donne une interview sur pourquoi il est déçu que Seven n'ait pas fermé la porte. Moi, je comprends pas. Je comprends pas, on s'était attaché lui et moi. J'ai cru comprendre qu'il aimait beaucoup Siffle Grand Dogo Gris. Je me suis dit, je suis un chien. Il va bien m'aimer, Seven. Mais non. Et non, il a pas barricadé la porte et du coup je suis mort. On comprend pas. C'est un connard au final, c'est un connard. Je comprends pas. Ah, on est à côté des cadavres de Jessica et de l'inconnu. Ah mais il est en train de bouffer l'inconnu là. Il y a quelque chose là-dedans. On a trouvé un survivant. Un survivant, je répète. Est-ce que c'est... Oh merde. Reculez. Non, reculez. Oh mon dieu, Until Dawn 2 qui est teasé. Oh shit. Non, pas du tout. Merci des Twitch de Riff pour le Prime. Ouais, donc du coup, il se transforme en Wendigo, Mister Josh. Encore une fois, ça me fait un peu de la peine pour lui. Hein. Au début, bon, on le traitait de connard et tout, mais au final, c'est juste un mec malade qui a perdu ses deux sœurs et qui est devenu encore plus fou, quoi. Bon, après, ça pue la merde, hein, son move de faire peur à tout le monde, on est d'accord, mais bon. Le système des totems, ça spoil... Enfin, c'est bien, mais en même temps, ça spoil. Oui. C'est vrai, mais... Après, la plupart des totems s'arrangent quand même pour que ce soit flou, tu vois. Ils en montrent pas trop. Il y a des fois, il y avait des cadavres, on avait du mal à les reconnaître. Donc, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. Après, moi, je les voyais vraiment comme des indices, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, après, je l'ai pas vu comme un spoil, mais... Oui, évidemment. C'est à cause des autres que ses sœurs sont mortes, quand même. C'est encore plus... J'ai encore plus de la peine pour lui, en fait. Donc, mais le remake, je suis pas sûr de l'acheter à sa sortie. Payer plus de 60 boules pour un jeu interactif que j'ai déjà fait, je suis pas sûr. Mais je serais curieux de le faire pour voir les scènes supplémentaires qu'ils nous ont vendues. Mais bon. Mais c'était cool en tout cas. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très bon. Encore une fois, pour un jeu interactif, c'était très sympa. Et du coup, bah, tu vois, t'es quand même intrigué. Tu vas aller voir sur la page Wikipédia de... Qu'est-ce qui se passe, le lore, plus on apprend, parce que je vais avoir plein de vidéos théories, incroyable, bien sûr. Mais bon, ah, attendez, excusez-moi. Ah bah voilà, on peut rejouer les chapitres. Ah bah voilà, ça c'est bien. Vous me disiez qu'il y avait pas un... On pouvait pas rejouer les chapitres. Sélectionner un épisode pour y rejouer et modifier l'histoire. Bah c'est parfait ça.
C'est lequel l'épisode où Ashley doit choisir d'aller à gauche ou à droite? Vous pensez que c'est le 9 ou c'est le 10? Je suis quand même curieux de voir ce que ça fait maintenant qu'on est sûr de l'avoir sauvé, il n'y a pas de problème. J'aimerais bien voir ce qui se passe quand on va à gauche. C'est le 10? Vous hésitez entre le 9 ou le 10? On va essayer. J'essaye juste vite fait pour voir ce qui se passe. Si on suit la voix de Jessica. Non mais vous inquiétez pas, officiellement elle est sauvée. Elle est sauvée, on l'a sauvée, y'a pas de problème. Juste je veux voir parce que ça m'intrigue. Josh, il doit l'avoir. Il est ça parti. C'est bien ça de pouvoir jouer le chapitre que tu veux. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop, ne bouge plus. Pareil, on aurait pu tirer sur Emily du coup. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole et après je nous sors tous de cet enfer. Ouais, y'a les vidéos YouTube compil de mort, je suppose, ouais, mais... Je les regarderai après, je veux juste voir ce que ça fait si on va à gauche. Waouh. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où vit cet enfoiré. Ah les gars, je pense que c'est le chapitre 9. Hein. En tout cas, je me rappelle du début du chapitre. Je me rappelle que dès le début, en fait, on voyait Chris. Chris et Ashley et Sam et Emily, je crois. C'était le 9? Ah merde. Je me demande. Adieu HB, bon, t'es bien. Non mais les gars, encore une fois, elle est sauvée. Vous inquiétez pas, officiellement, elle est sauvée. Voyons. Vous n'écoutez pas et la situation est si... Ouais, c'est le chapitre 9, je pense. Je pense que c'est le chapitre 9. Oups. Oh putain les gars, enfin ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut. Ouais, Rémi Malek dans le jeu. Mister Robot, celui qui joue Josh. Ah ouais, il... Stop ! Ne bouge plus. Putain de merde ! C'est quoi ? Qu'est-ce que tu cherches ? On voit souvent sa tête coupée. Mike, y'a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Ah putain. Amy, c'est quoi tout ça ? Elle l'a probablement emmené dans la mine. M, c'est quoi? Hein? Ici, c'est notre abri, M! Pitié! Merde, j'y arrive pas! Oh, putain, tu as fait le bon choix. Garde un œil sur elle. Je vais vite revenir. Ah, mais attendez! On va pouvoir sauver le Dogo? Ou c'était avant? Oh merde, je crois que c'était avant. Ah ouais, non, c'est le moment du Dogo. Et attendez les gars, on peut peut-être se venger. Ah ouais, mais je me rappelle plus de tous les choix que j'ai fait. Bon, en tout cas, une chose est sûre, la porte à barricader, il faut la barricader. Ah mais ça va être long de retrouver Ashley, d'arriver au moment d'Ashley en fait. Ça va être super long. C'est à la fin du chapitre 9, ça va être grave long. Bah écoute, good luck, hein. Bah ouais, écoutez, on va essayer de sauver le Dogo, hein. Je vais essayer de refaire les mêmes choix que j'ai fait, mais cette fois-ci, je vais barricader la porte. On va speedrun le jeu. Let's go. Putain de merde. Où sont passés les loups? Sif? Sif? J'ai quasiment pas tiré. Bah ouais, moi j'ai supposé que c'est ce qu'il fallait faire. En fait, s'ils sont enfermés, j'économise mes balles.
Ah bah d'ailleurs, attendez, c'est là-bas, le gun. Moi, je partais du principe qu'il fallait économiser nos balles en mode Resident Evil. Donc du coup, je tirais pas quand c'était pas nécessaire. Je gardais calme. Je gardais sang-froid. Bah, le problème, c'est que je suis obligé de tirer s'ils foncent sur Mike, parce que sinon Mike il se fait choper. Mais ça, pour le coup, c'est une super nouvelle que tu puisses jouer, que tu peux rejouer les épisodes quand tu finis le jeu. Pour moi, c'est un grand must dans un jeu interactif comme ça. Ça m'aurait déçu qu'il n'y ait pas ça. Attends, mais j'étais venu la dernière fois ici. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah oui, bah ouais, c'est pour choper l'arme du coup. J'avais tiré sur les balles explosives, tout à fait. Mais j'avais assuré hein, la phase avec Mike. Malheureusement, je n'ai pas barricadé la porte. Mais le jeu est dur. Hein. Une fourche et une foule en colère. Je trouve que le jeu est vraiment dur, hein. Tu peux tuer un de tes persos avec lequel tu joues depuis des heures en un mauvais choix, en un mauvais QTE. Là, il prend des balles. Voilà. Ça ira. Moi, je tirais pas tout le temps parce que je partais du principe, encore une fois, qu'il y avait des munitions limitées. Que le jeu jouait sur ça pour voir si tu sais rester calme et avoir du sang froid dans les pires moments et te récompenser en te donnant le nombre de balles nécessaires pour résister si tu tires pas comme un con partout. Chose que je vais faire là maintenant tout de suite, malheureusement, mais c'est... Mais attendez, mais il est où le Dogo là? Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Oh, ça fait plaisir de te revoir, mon pote. Allez, je vais tout faire pour te sauver, je vais essayer. Content de me revoir. Hein. Hey. J'espérais bien te retrouver. C'est bien. Brave bête. Ouais, je pense que c'est ça aussi, hein. Tu viens avec moi. Si quelqu'un peut nous confirmer si effectivement il faut économiser les balles, voilà. Vous pouvez me le dire. Hein. On a fini le jeu. Pas de regret. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers l'aile psychiatrique qui nous emmènera hors de la mine. Tu pourras gérer ça? J'aurais pas pu dire mieux. T'es un bon gars. Je vais speedrun. Ah, ça m'a gavé l'autre fois de le tuer, alors j'avais vraiment... J'étais concentré comme pas possible. Ouais, faut le sauver à tout prix. Oh, la pression, shit! Attends, mon bonhomme. Je me rappelle de la bouteille aussi qu'il faut rattraper. J'aimerais bien me faufiler comme toi. Je suis bloqué ici. Ok. Voyons voir. Merci la fine flèche pour le sub. Si il est mort le Dogo, mais je recommence le chapitre où il était pour voir ce qui se passe quand je vais à gauche avec Ashley et pour tenter de le re-sauver du coup. Par contre, tenter de sauver Jessica, j'ai un peu la flemme parce qu'en fait dans mon autre run je l'ai sauvé déjà donc. Moi aussi je me débrouille. Pas vraiment grand. Bon, allez. L'avantage, c'est qu'on sait que là arrive une grosse phase de merde. Où
il y a une ambiance de merde du moins. Ah, t'as regardé du coup où le vent, il faut garder un maximum de balles. Ok, donc j'avais eu un bon pressentiment. Ça, on va passer. On connaît le lore. Mais je réfléchis à quel autre choix pourrait mettre en danger le Dogo. Oh la saloperie. Je vais essayer de refaire tout ce que j'ai fait en fait. Même il y a un moment où on doit aller à gauche ou tout droit. Et en fait on s'était dit bah ça sert à rien d'aller tout droit puisqu'en fait on doit ressortir de la pièce. Bah je vais quand même refaire ça, je vais pas aller à gauche tout de suite. Je me dis que ça peut-être ça attire le méchant vers moi et que ça laisse le temps au Dogo de partir. On va voir. Merci pour les deux subs, Ains Anima, merci beaucoup. Il y a mise à jour à faire avant le téléchargement du DLC à 18h au cas où. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. Quand j'allumais ma PS5 pour lancer le live, il y a eu une mise à jour sur Elden Ring automatique. Il est à droite, regardez-le ramper ce con. Petit salopard, va. Petit salopard. Un nouveau multiverse. Après Seven, Pizza YOLO. Effectivement, Pizza Tower. Dresseur Pokémon. Voyageur de multiverse. L'hérisson. Voici Seven et le Dogo survivant face au Gollum. L'anneau, Jamie! Mais du coup, je crois qu'on aura raté aucune fois. Je vais rien dire, sans le faire karma. Je vais pas finir ma phrase. Je la répéterai quand on aura fini le chapitre. C'est pas. Hein. On ne sait pas, Brother. Fais pas de bruit, fais pas de bruit. Je démords pas que les devs l'ont sapé exprès comme le perso de Silent Hill 2. Bah de toute façon, pour avoir lu la page Wikipédia, les devs ont clairement dit qu'ils s'inspiraient de jeux Quantic Dream, Silent Hill et Resident Evil. En plus des slashers classiques comme Scream et tout le bordel. Ça m'étonnerait pas du coup. Il est habillé comme qui du coup, le héros du 2 ? Moi je trouve qu'il a, j'insiste, il a vraiment un air à Nathan Drake, je trouve ce mec. Ah, le héros du 2, ouais, ok. Ok, je me gratte l'oreille, let's go! Bon, là, il y a le rat, attention à pas tirer comme des cons. Le Plague Tale, ça nous connaît. Ça va être toi, Rebellious Cat? Le chat rebelle. Oh! Et boum! L'une des meilleures phases du jeu quand même, celle-ci, je trouve. Hein. Donc moi, j'étais parti tout droit. Je vais retourner tout droit. Je me dis que ça fait gagner du temps au Dogo. Tends pas ton bras comme ça. Oh putain, 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 putain. Mais non, non, je suis en train de rêver, merde. En fait, j'ai envie de l'insulter dans cette phase, Mike, parce qu'à chaque fois, il s'approche trop des barreaux. Il a pas compris le mec. À chaque fois, il s'approche trop près des cellules. Qui est là ? Merde, merde, merde. Après, qui est là, à ton avis ? C'est le Père Noël, Jamie ! Tu dégages.
machette. Et s'approche des fenêtres. Ouais. Alors j'ai pas compris pourquoi ça demande ça. C'est pour la machette en fait. Je pensais qu'il nous sentait avec le sang des doigts, mais non, c'est pour nous montrer qu'on a la machette. Je pense que si on avait forcé le piège, la machette serait pétée. C'est ce que j'avais dit au début de la run. Je me suis dit, si je force le piège, ça va péter la machette. Je pense que c'est ça en fait. Il y en a un là-bas, mec, regarde. Oh, le petit con, on l'a vu. Dès le début, on l'a vu, ce chien. Par contre, regardez cette arnaque. Regardez. Genre, il me voit pas là. Regardez, allez. Tu m'as vu. Arrête. Serre les fesses. Triangle. Je suis en mode Saiyan. C'est pas vrai, putain. Ne t'approche pas des cellules, Mike. Mais cette phase elle est cool hein, quand même. Ça joue vraiment sur est-ce que tu gardes ton sang-froid et tu vas garder tes balles ou paniquer et tirer partout. Elle est pas mal cette phase. Putain. Je pense que c'est ma préférée du jeu en fait. Quoi ? Puis il y a un dogo donc forcément. Ça je l'avais call à droite. Je l'avais call aussi la dernière fois. Arrête, tu vas te faire karma, brother. Arrête. Merci Driss pour le compliment sur le tech. Là, il y a un carré qui est ultra rapide par contre. Là. Je crois que j'ai failli le rater la première fois. On aura pour tout le monde. Ah, celui-là il est ultra rapide. Je l'avais réussi du coup. Merci au coureur pour le prime. Oh shit. Attention à la chaîne. Ça j'ai oublié. On va bien te tirer dedans là. Salaud. Oh, j'ai failli le rater. On est d'accord, il ressemble à Nathan Drake. Hein. Et les carrés, ils sont rapides. Hein. Faut qu'on arrive au moment, les gars. Tire, tu me feras plaisir. À ce moment, il est trop stylé, ce moment-là. Die, motherfucker! Tu vois là en fait ça m'a bait, je vois plus le dogo. La première fois je me suis dit bah il est devant en fait. Je pensais pas qu'il était derrière moi. Non Pozo t'inquiète il est pas mort. Justement je refais le chapitre pour le sauver. Et justement vous voyez ça nous porte tous à confusion, on le voit plus. Donc on se dit bah il est devant nous. Et c'est pour ça que moi j'avais pas barricadé la porte la première fois. J'avais pas compris qu'il était derrière moi.
Il est sneaky. Ah, ils sont là-bas, on les voit passer tout là-bas, là, en face. Petits salauds. Les petits salopards. Oh putain. Quelle ambiance de merde! On barricade. Allez bonhomme. Saute mec, je t'en supplie, saute putain, saute. Saute Sif. Ok bonhomme. On se voit plus tard alors. Quoi? Bon je l'ai sauvé. On l'a sauvé. Enfin j'espère. J'espère qu'il était pas dans l'explosion et qu'il s'est sauvé ce con. Qu'on va le revoir plus tard. Mais alors on va pas continuer. Mais est-ce que vous pouvez me dire si on le revoit ou pas le Dogo? C'est quoi son destin en fait? Bah non, pour moi il a fui. Enfin c'est pas tout le bâtiment qui a explosé pour moi. Il revient pas. Ok, allez. Bon, au moins on le sauve. Moi, je commence à boiter un peu là. Je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi. Il est pas venu, mais au moins il est pas mort. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de choisir les trucs qu'on n'avait pas choisi tout à l'heure. Oh, merde, Chris, est-ce que ça va aller? Ouais, allez-y. Bah pour moi, oui. Enfin, je. J'arrive je pars du principe qu'il est sauvé. Pour moi, on n'a pas fait péter tout le bâtiment. On a fait péter cette partie du bâtiment. Mais... Vous partez devant, d'accord? Il faut prévenir Mike. Je si vous me dites que là, la dernière scène où on l'a vu, c'est vraiment la dernière scène, quoi qu'il arrive, bah. D'accord. Pour moi, GG Go Next. Hein. J'allais pas non plus buter Mike. Ok, donc on laisse tomber Chris, il est derrière. Let's go. Ça devient un Wendogo, débarque. Oui, c'est fin de tournage pour le Dogo. Ouais, donc quoi qu'il arrive, on le revoit plus après ça, quoi. C'était un bonus. C'est dommage, je m'attendais à ce qu'on le voit à la fin, en dehors du chalet. Quoi sur j'ai mis tout save the Dogo mais ouais non hein, dans les vidéos guides pour sauver le Dogo ils disent juste qu'il faut barricader la porte et après bah il y a pas de problème à péter à faire péter les barils d'explosion après visiblement c'est fini. Tu le revois plus. Ouais, how to save the wolf. Ouais, non. Dès que. Dès la scène où on le voit plus, les vidéos guides se coupent. Donc, je juge qu'il est sauvé, quoi. Ça, c'est quoi? J'ai regardé la totalité de la vidéo sur l'accident dans la mine. Ah non, tu fais bien de m'en parler, effectivement. Si on avait beaucoup d'autres choix, hein. Faudrait que je regarde. Parce qu'en fait, on n'a pas vu beaucoup de morts de personnages finalement.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal fait le truc? Donc je suis curieux de voir ce que ça donne. Ouais, je pense qu'en scène post-générique, le Dogo, il a une interview aussi. Ok, ça. Alors, bon, il m'a sauvé, mais il a quand même fait péter mon bâtiment, donc je tiens quand même à dire que j'ai plus de queue. Voilà, ça m'a brûlé la queue, super. Il m'a sauvé à moitié, bon. C'est pas si mal. Tu crois que le tunnel mène au sanatorium? J'espère bien, où tu veux qu'il aille. Mais ouais, du coup, les vidéos guides, je vous confirme qu'elles s'arrêtent au moment où... le Dogo s'en va et Mike dit on se revoit plus tard. Bon, au moins on aura vengé. Je veux être sûre que Chris nous trouvera. Hey, le chien. Peut-être que si je laisse des marques le long du chemin, ça lui permettra de nous suivre. Tu sais quoi? Par devant, je te rejoins. Okay. Ah, c'est marrant, elle met plus de temps à les rejoindre parce qu'elle ferme les égouts quand Chris est avec eux et du coup là, elle met des petits cailloux comme le petit poussé. Enfin. Elle crayonne une flèche. Interview de la fin, waf waf, waf waf. Inspecteur, je vois. Dites-moi en plus. Je connais cette théorie, oui. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce soir, il y a le DLC d'Elden Ring. Hein. Je suis comme un ouf. Elden Ring 2. C'est marrant quand même qu'on soit plus inquiet par le Dogo que les survivants. Bon, alors évidemment ça sent la merde, Jessica étant morte, les Wendigo imitant les voix. Bon. Y'a quelqu'un? Jessica? C'est toi? On va aller à gauche parce que je suis intrigué. Je rappelle que pour ceux qui viennent de rejoindre, on a fini le jeu et que dans la run de tout à l'heure, on est allé à droite. C'est qu'apparemment, on a eu raison. Donc on a sauvé Ashley. Mais là, du coup, on va voir ce que ça donne. Ouais, je pense un jour jouer Oblivion, ouais. Je pense même faire un take dessus. Oh, les bâtards, ils arrivent vraiment à imiter la voix de Jessica, quoi. J'aimerais bien faire une vidéo sur Oblivion, ouais. Oh merde. Oh non, 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 non. Non. Mais ouais, ça fait un petit moment que je veux. J'avais déjà commencé, j'avais joué une petite heure, j'avais bien aimé, mais j'avais arrêté parce que je devais faire d'autres trucs. Sur le screamer là, un petit peu, non? Ah bah c'est le totem... Ah ouais. Effectivement, je suis bien content d'avoir été à droite tout à l'heure. Oh putain. C'est le totem qu'on a vu. Ah mais j'avais pas reconnu que c'était Ashley sur cette mort en fait. Elle avait pas son bonnet, c'est pour ça. Ah ouais, la violence du truc quoi. Ah c'est énervé hein. Wouh. Sam. Ash. Putain, c'est dur, hein. T'imagines, tu joues des heures avec un personnage auquel tu t'es attaché, boum, un mauvais choix, une petite cinématique de 10 secondes, tu crèves. Moi, je vous dis, la scène qui m'a vraiment marqué, je vous l'ai dit, j'ai été voir sur YouTube, c'est la scène où Ashley, elle laisse Chris crever avec le Wendigo dehors, elle lui ouvre pas la porte. Parce qu'il a tiré à blanc sur elle. Alors dit comme ça c'est bizarre, mais il a tiré avec son pistolet bien sûr, à blanc sur elle, c'est toujours aussi bizarre comme phrase, mais bon, je pense que vous voyez où je veux en venir. Mais elle est vénère hein, la mort d'Ashley là, wouh. Plus violent que Jessica je trouve. Ils vont aussi entendre la voix de Jessica.
S'il tire à blanc aussi, le pauvre, c'est vrai. Qui est là ? Elle est intelligente, hein, la petite Anna, quand même. Hein, à les attirer comme ça avec sa voix. Petite stratège, hein. Tiens bon. J'arrive. Je suppose qu'elle va taper un double kill. Incroyable. C'est vraiment la voix de Jessica en plus. Hein. C'est chaud. Heureusement qu'on a vu Supernatural ici. L'épisode des Wendigo. Ah ouais, c'est vraiment deux morts d'affilée aussi rapides, quoi. Waouh. S'il te plaît, Ash. Non, c'est pas possible. Non, 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 ça peut pas être vrai. Dites-moi que c'est pas vrai. Oh, ça peut pas être vrai. Oh non. Oh non. Ça va t'énerver encore, je suppose. Désolé, Chris, on est curieux de voir. Désolé, mon pote. De toute façon, on t'a... Mais je me rends compte que je suis vraiment passé à deux doigts de la mort hein, dans ma première run. Hein. C'est chaud. Hein. Si j'étais parti à gauche, j'aurais perdu Ashley. Et Chris. C'est chaud. Putain, le jeu est dur, hein, vraiment. J'ai eu chaud. Hein. Ah, faut vraiment. C'est là que tu vois qu'il faut vraiment bien retenir tout ce que le jeu te dit, bien analyser. Parce que dans le journal, ils te disaient, ils imitent les voix. Donc il fallait faire attention à ça. Bon, bah écoutez, c'était cool. Rappelons-nous de la première run. On a perdu Jessica et malheureusement le Dogo. Là, je l'ai sauvé, mais bon, voilà. Dans la première run, j'ai sauvé tout le monde sauf Jessica et le Dogo. C'est pas dégueu, je pense, que pour un premier essai. Ça va, ça pourrait être pire. Au moins, on a sauvé les 4 qu'on voulait sauver. On a sauvé Matt. On a sauvé Mike, Sam et Ashley. Et là, du coup, on va pouvoir partir pour The Quarry, bien sûr. Et c'était cool, hein. C'était cool. Until Dawn, c'était cool. Je me rappelle qu'en 2015, quand je voyais des extraits, j'avais envie d'y jouer. Enfin, quand je voyais les gens en parler, du moins, parce que le seul extrait que j'avais vu, je me rappelle, c'était cet extrait où tu dois choisir entre Josh et Ashley. Je me rappelle, cet extrait m'avait un petit peu hypé.